l'opposition stérile d'hier entre ceux qui détruisent et ceux qui réparent est bel et bien derrière nous. Nous avons envie de construire des coopérations entre le capitalisme traditionnel et l'économie sociale et solidaire. Alors le social business, c'est cet espace de coopération. Nous sommes peut-être ici devant une occasion historique. Mesdames et messieurs qui représentez les entreprises, comment mener les adaptations, voire les mesures nécessaires pour rester compétitif en faisant du social? La réponse, vous l'avez compris, c'est oser le social business. Alors vous, mesdames et messieurs, les entrepreneurs de l'ESS, comment changer de taille, comment changer d'échelle, comment mener des révolutions positives dont le monde a besoin? Eh bien, en collaborant avec les entreprises, vous allez trouver des alliés de taille à mesure d'accélérer votre transformation et votre croissance. Il y a aussi dans la salle des acteurs publics, des élus franciliens. Je voudrais leur dire, agissez. Agissez comme facilitateur. D'abord, qu'est-ce que c'est la région de France? C'est la région la plus riche d'Europe. Mais c'est aussi une région extraordinairement inégalitaire. Et donc, c'était logique qu'arrivant à la présidence de la région, en tant que présidente pro-business, je veux aussi construire une région solidaire. Je me suis dit, comme on est une région très prospère et qu'on veut être solidaire, il faut faire le pari du social business.